Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Capital Auto, ou plutôt devrais-je dire Capital Camping Car, car aujourd'hui on est dans un cadre un peu spécifique. Les oiseaux, le soleil ou encore les arbres, ça sent bon les vacances et c'est une belle occasion pour essayer le nouveau Ford Nugget. C'est un van aménagé qui arrivera sur nos routes cet été. Voilà, c'est mieux. Les camping-cars rencontrent de plus en plus de succès en Europe et en France, et pas uniquement chez les retraités. Selon un récent sondage, 31% des jeunes de 25 à 34 ans envisagent de partir cet été en camping-car à cause de la crise du coronavirus. Il faut dire que le camping-car a de nombreuses qualités, il permet de partir où on veut, pas de mini-hôtel, ça permet aussi de découvrir de nouvelles régions. Bref, le camping-car, c'est vraiment synonyme de liberté. Mais au risque de froisser les camping-caristes, précisons que le Ford Nugget n'est pas un camping-car, c'est ce que l'on appelle un van aménagé. Quelle différence? Comme vous pouvez le voir derrière moi, un vrai camping-car est un véhicule dont la structure repose sur un châssis, alors qu'un van aménagé n'est autre qu'un véhicule utilitaire aménagé en véhicule de loisir. Les vans aménagés ont aussi l'avantage d'être plus compacts que les camping-cars et donc plus économes en carburant. Ils sont également plus faciles à conduire et plus maniables, ce qui est vraiment un avantage en ville. Dans le cas du Ford, on est sur un véhicule qui fait moins de 5 mètres de long. Il est très facile à conduire, vraiment. Et surtout, on a tous les équipements et toutes les aides électroniques qu'on peut trouver sur une voiture moderne. Par exemple, on a un diesel très moderne avec une boîte automatique. On a un écran tactile et aussi de nombreuses aides de la conduite, comme par exemple le freinage automatique d'urgence, la surveillance des angles morts ou encore la caméra de recul. Les vans aménagés ont enfin une dernière qualité par rapport au camping-car, c'est leur discrétion. Bon, c'est vrai que là, le Nugget orange, c'est pas vraiment très discret, mais bon, il y a d'autres couleurs, rassurez-vous. Et voilà, maintenant, on va pouvoir découvrir l'intérieur de ce van qui a été intégralement aménagé par Westfalia. C'est une société allemande spécialisée dans la transformation des camping-cars. Et vous allez voir que chaque centimètre carré est exploité au maximum. Par exemple, on peut retourner les sièges avant, ils pivotent sur 180 degrés. À l'arrière, la banquette peut s'avancer un peu. Donc on a vraiment un espace salon prévu pour 5 personnes. Et le petit plus, c'est qu'on a une table qui est cachée sur le côté, qui peut s'ouvrir, qui se transforme vraiment en grande table, qu'on peut encore une fois avancer. Et voilà comment on a transformé cet espace arrière en espace salon, vrai espace salon pour 5 personnes, donc avec les deux sièges avant qui se retournent. Donc c'est l'idéal pour travailler, pour dîner. Par contre, pour l'apéro, vous allez voir, on a une autre solution qui est bien meilleure. Et oui, car on a aussi une petite table qui est cachée au niveau du hayon, bien pratique. Pour l'extérieur, alors voilà, en deux tours de main, on a réussi à la retirer et on va l'installer. Et voilà, le tour est joué. On a la table, les deux chaises, mais là, comme il y a un peu de soleil, il manque quelque chose. On a un store qu'on va pouvoir déployer. Il faut juste faire attention parce qu'on est proche de la carrosserie et donc si on n'utilise pas les mains pour protéger, on peut vite faire des traces sur cette belle carrosserie orange, ça serait bien dommage. Et voilà, la tienne. À l'arrière du van, on trouve aussi une toute petite kitchenette. Alors petite, mais quand même bien équipée. Parce qu'on a deux plaques de cuisson au gaz. On a un espace réfrigéré d'une quarantaine de litres de capacité. On a beaucoup de rangements aussi pour ranger par exemple les couverts, les assiettes, les bols, tout ce qu'il faut pour dîner ou pour déjeuner. Et on a aussi un évier avec un réservoir d'eau propre de 40 litres. Donc c'est vrai que c'est pas très pratique pour faire de la grande cuisine française, mais pour faire des plats simples, c'est quand même bien pratique. Délicieux. Grâce au toit articulé, on peut avoir un couchage supplémentaire tout là-haut. Pour y accéder, il suffit d'installer une petite échelle. On a tous les draps
les oreillers qui sont rangés ici, donc dans les petits rangements. Et là, on a vraiment un vrai lit, 2 mètres sur 1,40 m, donc c'est quand même fait pour deux personnes. Et surtout, ce qui surprend, c'est qu'on a quand même un couchage qui est confortable, on est bien installé, et pour quelques nuits, c'est vraiment nickel. Et on a aussi un deuxième couchage, donc qui est plus adapté pour les enfants, et venez voir, c'est du côté du salon. Donc le coin salon, la banquette peut se transformer en lit également, donc plutôt pour des enfants. Donc au niveau de la manipulation, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, il faut avoir un peu le coup de main. Il faut avancer la banquette. Et voilà comment on a transformé le salon en lit. Donc c'est pas aussi confortable que là-haut, mais c'est idéal pour des enfants et ça permet surtout de pouvoir coucher jusqu'à 4 personnes dans ce van qui fait moins de 5 mètres, donc ce qui est plutôt bien. Et si vous avez froid ou si vous avez trop chaud, vous avez aussi une ventilation intégrée parce que c'est aussi l'un des points négatifs du van par rapport au camping-car, c'est généralement moins bien isolé, mais là ça permet d'avoir une bonne température. Et si vous préférez dormir la porte ouverte, vous avez aussi une moustiquaire. Décidément, rien n'a été laissé au hasard. Et voilà pour cette découverte du Ford Nugget qui nous a agréablement surpris parce que dans son format quand même relativement court, donc moins de 5 mètres, on arrive à avoir beaucoup d'équipements, la petite kitchenette, le coin salon qui peut se transformer en lit, surtout le vrai lit en hauteur, donc beaucoup de choses. Alors reste maintenant à connaître les tarifs. En France, ils n'ont pas encore été dévoilés parce que le véhicule ne sortira qu'au mois de juillet. Mais pour vous donner une idée, en Suisse, le prix d'appel est sous la barre des 40 000 euros. Mais pour le véhicule tel qu'on l'a présenté aujourd'hui, il faudra compter facilement plus de 40 000 euros. Enfin, sachez qu'une version Nugget Plus sera disponible. Elle sera 30 cm, une trentaine de centimètres plus longue, mais elle disposera en plus de toilettes et d'un lavabo. Voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances et à bientôt sur Capital Auto. Ciao !